Monster Kill. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Shadow Warrior 2. Vous allez comprendre pourquoi je commence l'épisode dans le menu tout de suite. Attention, je vais appuyer sur B, ça va être violent. Ça va être extrêmement violent. Bon, deuxième fois. Voilà, c'est juste une putain de tempête. Ok, c'est pas grave. Là c'est bon, mission en cours, j'ai déjà tout rendu, j'ai rendu toutes les missions, je sais plus, oui sans doute. Hop. Alors, mission. Mission. Voilà pour les missions. Mission principale, mission annexe, cartouchière énergétique, ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour le... Principale, mission annexe, principale, annexe. La cuisine. Trouvez la cuisine d'obscurée dans les bas quartiers, puis mettez-la hors service. Et faites passer le message pour que Mamushi Eika n'aime pas qu'on empiète son territoire. D'accord. On va commencer par la cuisine. Après tout, pourquoi pas. C'est parti. Wouah ! Téléportation. Ça pourrait être le zip de... Sangoku. Sangoku, pardon. Pourquoi j'ai dit Sangoku. Oula, j'ai été formaté, je sais que j'ai été formaté à dire Sangoku à chaque fois maintenant. Mais pour quelle raison? Bon, c'est Sangoku, quoi, hein, classique. Goku, Goku-san. Bref. Est-ce qu'on peut avoir le droit de jouer au jeu? Moi, je joue... Alors, moi, je suis en train d'attendre pour l'arrivée d'un vaisseau dans les Dangerous. Hein. Du coup, je vais profiter pour tourner. Hein. Ça me fait plaisir de jouer à ce jeu. Ce jeu me plaît, ce jeu m'amuse. Waouh, bonjour. J'imagine que c'est le bruit de cette chose-là. Et pas le bruit d'un quelconque secret. Oula, j'ai vu des choses. Oh, je suis vexé. Moi qui m'attendais à un secret là-dedans ou... Eh ben non, je l'ai dans le cul, Lulu. Oh, vache, il est rapide. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Pas de secret ici non plus. À part des pyjamas posés n'importe comment. Bonjour. C'est quelque chose dans le frigo, je ne sais pas. Moins 18 degrés. Ok. Bon, on y va. Hein. Il est l'heure de bourrer, chers amis. Il y a un truc violet là-bas. Oula. Et il y a des ennemis aussi. C'est parti. Boom, bitches! La vache, il est gros, lui. Boom! Ah bah il était mort, je crois que par les autres. What? Faut se calmer les mecs. Ok, c'est quoi? Cadence de tir plus 10%, ça m'intéresse. Un bouquin, je prends. Des munitions, j'en ai déjà plein. Ok. Ouh, il y a du légendaire qui est tombé. C'est quoi ça? Mode de tir principal, dextérité, permet un mode de tir rapide. Faudra vraiment que je teste ce truc là. Hein. Quand je pense que je vais avoir une nouvelle arme, je vais... Essayez ça. Ça brille ce truc. Non, ça brille, je trouve que ça brille. What? Oh, d'accord. C'est bête, hein. Mais ils dansent. Ah, ils sont plusieurs à me tirer dessus. On va bourrer un petit peu. Ils ont l'air assez solides. Boum! Ça fait du bien? Ah, mais il m'a. Bon, vous me saoulez, les mecs! Boum! Quoi? C'est quoi ce truc? Non, c'est vrai, ça fait mal! C'est fait pour, t'es au courant? Par contre, là, on se prend trop de dégâts. Shotgun! T'as déjà ressenti la puissance d'un shotgun dans ta gueule? Genre comme ça. Il paraît que ça fait... Oh, un talisman. Qu'est-ce que c'est?
Courage du lapin, résistance aux dégâts plus 20%. Quand en mouvement, résistance aux dégâts comme mobile moins 30%. D'accord, et bah écoute, c'est pas encore un truc que j'utiliserai. Dégâts du feu plus 8%. D'accord, ok, pourquoi pas. Tout ça, je prends. En termes de munitions, il serait intéressant que j'en trouve un petit paquet. Ne serait-ce que pour lui. Lui, ce monsieur est en manque de munitions. Munitions max, parfait. Wouah ! Un gros pistolet ! Calibre 50, ah bah voilà, écoutez, c'est... non, c'est comme ça qu'on fait, je crois. Eh non, c'était... c'était pas comme ça. Mon shot... Ah oui, bah du coup, il a pris la place d'en garder à portée de main, en plus. Ça, non. Ça, je pourrais le virer, cela dit. Gérer arme. Je suis plus en mode gérer arme. Ah ! À portée de main. Gérer arme. Mais merde, à chaque fois je me plante, c'est pas possible. Voilà. Voilà. Ok. Donc là, si je prends ça. Voilà. Alors voilà une belle arme. J'avais dit qu'à chaque fois que quand j'aurai une nouvelle arme, chers amis, je mettrai le mode de tir rapide. Et c'est chose que je vais faire. Hop. Insérer gemme. Merde, putain, mais c'est chaud, j'en chie dans le... le mode de tir rapide, il est en légendaire normalement. Ah, où est-ce qu'il est coulé? Ah, bah apparemment j'ai pas le mode de tir rapide. Je suis désolé, c'était prévu pourtant, hein, c'était... Hop. On va lui mettre des balles explosives alors, hein, c'est pas grave. On va peut-être, si possible, augmenter ses dégâts. Putain, j'en chie, je suis désolé, chers amis, au niveau de l'interface, j'en chie. On va partir là-dessus pour qu'il ait une plus grande cadence de tir et on va partir avec. Oh ! Oh non ! Je sais ce qu'il me faut, je dois bien avoir un Akimbo avec ça, moi. Non ? Ça peut être actif, j'imagine. Non. Il doit pas être disponible, parce qu'un calibre 50, le véritable problème de cette arme, c'est qu'elle a un putain de recul, quoi. Il y a de l'argent. Je n'oublie pas l'argent, je n'oublie jamais l'argent. Ok, on y va, c'est parti. Il est temps de faire bobo. Ce qui ne veut pas dire de faire le bourgeois, hein, mais de faire mal à l'adversaire. Ok, il y a clairement un truc avec cette maison. Même drôle de bruit dedans d'ailleurs. Ah bah cool. Bonjour. Bonjour. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Amélioration de pouvoir, disparition sublime, menu dégâts corps à corps d'occultation. Ouh, cool. Il y a des choses intéressantes qui sortent là. C'est une bonne nouvelle. Il fait mal ce gun en plus. Par contre, c'est vrai qu'il tire tous les 36 du mois, mais... Ah bon, il fait tellement mal qu'on lui pardonne quoi, machin. Par contre, il n'y a pas beaucoup de coffres hein, dans le coin. Ok, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Par contre, ouais, ce genre d'univers me rappelle clairement la vidéo de Ghost Recon Wildlands. Là, je pense que je vais en parler directement là après le tournage à Games Planet, voir si ça les intéresse de me sponsor dessus. Parce que là, franchement, ce jeu me donne une envie monstrueuse. J'en ai revenu au départ, ok. Ah, point de passage activé. Intéressant. Ce qui veut dire qu'il y a potentiellement des choses à trouver par là. Vous voyez, là, il y a déjà un mode de disponible un peu plus bas. Et là, il y a un mec...
Hop, vous ne m'aurez pas. Waouh, bonjour. Ah bah... Excuse-toi, je présume. Oh merde. Non, c'est bon, je peux y aller. Dis-moi que je peux y aller. Merci. Je peux y aller, bon parfait. Hop. Salut les filles. Bonjour. Merde. C'est... Voilà, explose. Ça vaut mieux pour toi, je présume. Ok. J'ai trouvé plein de trucs là pour le coup. Oula, il y a encore quelqu'un. Là aussi. Là-dedans. Apparemment, il y a des choses. J'ai mal aux yeux tellement ça a explosé de partout. C'est la violence. Ça va être de l'autre côté. Par contre, c'est cool de savoir que je suis full en cartouche de shotgun. Merde, mais tu vas bien la tirer dessus, s'il te plaît. Merci. Alors, vous m'avez bien dit, chers amis, je suis au courant, hein. Ça y est. J'aurais pas dû faire ça après du truc. Qu'il va y avoir plein de choses que je vais pouvoir dropper sur ces ennemis là. Donc vous inquiétez pas, j'ai enregistré l'info. C'est dans ma tête. Donc faut buter des gens. Enfin bon, jusque là je me suis pas retenu de les buter, si je puis dire, hein. Oh. Celle-là c'est la meilleure. Et le coffre était là. Pourquoi pas? Il semblerait qu'il m'ait vu, effectivement. Et il semblerait qu'ils aient réussi à me tirer dessus. Oh, elle est bizarre celle-là, non? Ouais. Il est temps de sortir le katana! Hop! Aïe! Et vous me saoulez! Non mais oh! Oh, de légendaire! Marche funèbre, d'accord, ok, je te dis. Hop! Où est-ce qu'il est? Ah, il est en haut! Il est au-dessus, ce con! Il s'est planté l'étage! Ah putain, c'est un... Voilà! Tu l'as senti passer celle-là? On veut une deuxième couche? Ah, j'en chie à monter sur ce truc. Voilà. Putain, mais tu me saoules! Ils sont deux surpuissants. Voilà. J'ai réussi à anticiper. Ah non, t'es tout seul. Ou alors c'était un clone? Qu'est-ce que c'était que ce bordel? J'aurais juré que c'était deux. De la santé, je veux bien, merci. Ok, bon, on y va. Coffre. Hop. Coffre avec des sous. De l'argent. Ah, je... Je ne peux pas passer. C'est... Je peux pas aller plus loin, en fait, là. Si je fais le tour de la table, je peux pas. D'accord, ok, bon, bah... Pourquoi pas. Et du coup, où est mon coffre? C'est ça. Ah oui, c'est ça, d'accord. Ok. Merci. Apparemment, je suis full en termes de ces munitions-là. Donc, c'est une bonne nouvelle. Des munitions moyennes. Donc, ça doit être pour tout ce qui est mitrailleuse, finalement. Ok. Là, ok. Ok, d'accord, c'est bon. Comme un vrai ninja, nous allons nous déplacer de toit en toit. Always look on the wrong side of life. Oui, effectivement, c'est... Oh, je sens qu'il y a, comme qui dirait, de la sale bête bien moche. Je confirme. Pull yourself together, man. Pull yourself together. Regroupe-toi, enfin... Grosso modo, pour quelque chose qui est en pièces maintenant...
C'est une grosse blague. Ok. Ok. Bah il est très très bien ce gun. On récupère la santé. Crac, on va essayer de rentrer dans la maison aussi. Parce qu'apparemment il y a des choses intéressantes dedans. Là, il y avait un petit peu d'argent. Et là voilà, il y a l'entrée. Crac. Hop. Oh! Vulnérabilité aux engelures, conversion des dégâts en dégâts de glace, plus 22%, c'est épique. On voit toujours qu'en termes de shotgun, nous sommes full, ce qui est une excellente nouvelle. D'accord. Ok, là j'ai même des lags tellement. Dirigène ou quoi? Nothing like a fresh clip. 85 points. Qu'est-ce qui s'est passé, bourreau, d'accord? Merde, je suis à court de balle. Tu sais quoi? Je suis sûr que les shotguns ça te manque. Boum. Alors? T'avais manqué ou pas celui-là? Oh, that was nice. Ok, bon. Glace extraordinaire, c'est intéressant. Le nom me plaît. Hop. Ok. Bah vu que c'était bien gardé dans le coin, je vais y aller. Hop. Même des gens sur les toits. Excuse-toi. Ah putain, il est encore en vie, je croyais qu'il était mort. Merci à toi de passer dans ma rue, espèce de grosse moto. Ou petite moto en fait. Petite moto qui fait beaucoup de bruit, je pense. Bon. Voilà. Ah, il est... Mais je peux pas le parer. Peut-être qu'il me faut forcément un sabre. J'ai rien dit. Combo breaker. Je pense qu'il a moult PV, hein, je veux pas dire, mais. Bien joué. Par contre, son petit saut était complètement. Bien joué. Bien joué. Hop, donne-moi ton bras. J'étais mauvais là. Voilà, merci pour la santé. Ça fait du papa ou ça... Oh la vache. Préservation extraordinaire. Exploration extraordinaire de carapace. Oh putain, probabilité de butin. Oh là là, probabilité de butin, c'était quoi ça? Probabilité de butin. Non, 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 j'ai vu quelque chose avec probabilité de butin, là. Voilà. Plus 10... Oh, plus 10%. Est-ce que c'est valable à 10% ou pas? Telle est la question. Nettoyons notre lame. Nous sommes un petit peu low PV. On va recharger nos PV. Je sais pas du tout si c'est par là qu'on est censé aller. Je crois qu'il faut que je localise la cuisine, c'est bien ça, hein. Trouver la cuisine, voilà, hein, c'est ça. Hein. J'espère que je suis pas au mauvais endroit, on est d'accord. Hein. Mais non, j'avais déjà fait. Oh là là, je suis où? Oh merde! Suis-je reparti faire un truc que j'ai déjà fait? Je reconnais pas l'endroit. Oh merde! Oh, y a plein de choses intéressantes dans le coin. Merci. Un pas de tentarité, tout le monde de bande de rude.
Beaucoup de ton traité est absolument fatal. Oscar Wilde. Que laisser ce coup là. Il l'appelle le coup sur. Merde. Ah bah elle l'a fait aussi. Elle m'a copié la saloperie. Boom bitches. Ah oui t'es un. T'es une. Ah vache, elles font mal elles. Ah la vache, elle a un gros trou dans le corps. Attends, elle a plus de corps véritablement mais. Boom bitches. Ah elle est toute seule, c'est vrai. Boom. C'est la fête. Ok. Mais je crois pas être au bon endroit. Ok. Il y a un gros coffre ici. Ouh. J'ai récupéré plein de choses. Parce qu'en fait c'est peut-être pour ça qu'il m'indique justement que je suis pas au bon endroit. Enfin que je suis pas dans une mission adéquate. On en est où dans l'épisode? Parce que du coup si on est trop loin on est à 21 minutes. On va finir l'épisode chers amis ici, c'est pas grave. On aura trouvé une nouvelle arme, on aura fait plein de petites choses. J'espère que je m'aurai pas trop gueulé dessus dans les coms. Il y a un point bleu ici. Il y a un coffre là. Vous avez vu, il y a un point bleu au fond. What? Pourquoi il y a un point bleu ici? Bizarre ça. Bizarre, bizarre. Ça indique peut-être tout simplement l'échelle, hein, c'est possible. Hop. Je vois des ennemis là-bas, ce qui m'intéresse. J'ai essayé de grimper sur le toit là, mais j'ai pas réussi. Toit là, toit là. Ah, c'est des bains. Non. Oh, il y a un dragon. Bon signe. Ah merde. Grimpe, il grimpe pas quand je lui demande de grimper, mais parfois quand je. Oula, il aime pas l'endroit, hein. C'est. Enfin, c'est clair et net, on va passer par là, on va pas sauter du tout. Bonjour. Et il y avait rien, d'accord, je croyais qu'il y avait un truc, hein. Voire même qu'il y avait un machin, voire un bidule. Ok. Cul de sac. Il y a moult ennemis là-bas, mais. Mais il veut pas grimper. Ah, mais vas-tu grimper? Merci. Oh. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Invisibilité. Chut. Be very, very quiet. I'm hunting dickheads. Boum. Ils sont plus nombreux que prévu. Madame, vous êtes en feu. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes chaude. It's not whiskey, but it'll do. Un Asiat qui aime le whisky. Enfin, il n'est pas techniquement Asiat, mais. Il y a beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup d'ennemis. Combien on peut en avoir en un seul coup? Bah, qu'un seul, apparemment. Oula. En tout cas, j'ai fait masse dégâts, apparemment. Et vous êtes... Ah bah... Apparemment, en une seule balle, j'ai tout eu. Ça me choque. Santé. Parfait. Pas des pieds. En une balle, j'ai tout eu. Et bien comme ça. Attendez pas à être aussi puissant. En tout cas, j'aime entrer dans les bas-fonds. C'est intéressant. Ok. Ah, ah, ah. Boum, kaboum.
Ok. Bon bah elles sont mortes hein. En voilà un gun qui fait mal. Je peux pas enlever le sang par contre dessus, c'est dommage. Ah. Ah bah là je reconnais très bien. Non. Non. Là je reconnais, si c'est bon. Ok. On rentre, on s'est trompé de mission, on rentre. Ce n'est pas grave. Hop, voilà, on est de retour. C'est toujours la méga tempête. On a cependant 216 000 crédits, donc on va aller voir les différents vendeurs. Ils ont des choses intéressantes à nous donner. Personnellement, ça me plairait bien. Ok, qu'est-ce qu'il y a à vendre ici? Oh, il y a du légendaire à foison, nature sublime de virtuosité, dégâts contre-tirant. D'accord, temps d'enchargement de chargeur, pourcentage de tir raté, plus, d'accord. Âme de tir à l'élite, ok. Ubiquité, détonateur, pas mal. D'accord. Ajoute un dispositif explosif, un arme de tir rapide, alors ça j'ai pas réussi à trouver sur quoi fallait le mettre. Enchantement noble, d'accord, siphonnage de ki, taille chargeur légèrement réduite, d'accord. Vitesse de déplacement. Ok, plein de choses. Truc qui fait un seul truc, d'accord, oui c'est un lance-grenade. Le bâton infernal qui est un fusil à canoncier qui est juste sublime, faut l'admettre au bout d'un moment. Talent de guérisseur qui peut être intéressant à 28 000, peut-être le prendre. On verra. En tout cas, on va faire le plein de munitions à 7100. On va aller voir les autres vendeurs. Hop. Et nous nous laisserons là pour la suite. Hop. Je suis désolé de m'être planté. Hein. Je pensais que c'était dans une mission. Il fallait juste trouver le truc. L'endroit. Et finalement, non. Je me suis juste planté. Ok. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a à vendre ici? Pierre le sorcier. Oui, je m'en rappelle. Et ici, pyromane. D'accord, aussi, aussi. Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Ok. Bon bah encore une fois les amis, je suis désolé d'avoir de m'être planté à ce point, mais bon c'est tout moi, hein. Je peux pas... C'est moi, hein. Je peux pas dire autrement. Hein. Donc désolé d'avoir pourri cette vidéo, même si je pense qu'il y a eu suffisamment d'action, moi ça m'a bien défoulé en tout cas, et ce gun valait le coup qu'on aille le chercher, soyons honnêtes. Hein. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yo!